Invité au micro de Loft Music sur Sud Radio, Dave a dévoilé le secret de la longévité de son couple avec Patrick Loiseau, dont il partage la vie depuis exactement 52 ans. La vie de Dave n'est plus du tout la même depuis son accident. En janvier 2022, le chanteur de 78 ans a été victime d'une hémorragie cérébrale et a passé plusieurs jours dans le coma après avoir fait une lourde chute sur la tête. Un accident depuis lequel le célèbre interprète de Vanina a perdu le goût et l'odorat, et souffre de perte de mémoire. Le médecin m'a dit de patienter jusqu'à la fin de l'année. C'est si long. La dernière IRM montre que c'est encore un peu le chaos dans mon cerveau. Mais il y en a un, cerveau, c'est déjà un soulagement. Plus sérieusement, je suis encore préoccupé par ma santé, même si je suis un éternel optimiste, confiait-il l'été dernier dans une interview à Soir Mag. S'il n'y a pas de surprise dans le couple, si est-il difficile pour surmonter les séquelles de son accident, Dave peut compter sur le soutien de son mari et parolier historique Patrick Loiseau, avec qui il partage sa vie depuis 52 ans. Une histoire d'amour sur laquelle l'ancien juré de la France a un incroyable talent s'est confié au micro de l'émission Loft Music sur Sud Radio. Interrogé par Yvan Cugiou, l'artiste d'origine néerlandaise a dévoilé l'un des rares sujets de dispute qu'il a avec son époux. Quand il écrit un texte que je n'aime pas, ça fout la merde totale dans le couple, a-t-il déclaré, avant d'évoquer la longévité de son couple. Comme je le dis toujours, il y a quelque chose entre la scène et l'amour. Je pense que le mot le plus important pour quelqu'un qui fait de la scène est le mot surprendre. Et dans le couple, si est-il pareil. S'il n'y a plus de surprise dans le couple, si est-il difficile. Le voyage, si est-il hyper important selon Dave, la longévité d'un couple dépend également de petites attentions au quotidien. Ça peut être s'arrêter n'importe où, sur une aire d'autoroute, et demander à l'autre s'il veut manger ou boire un verre. Évidemment, il vaut mieux faire un voyage à Venise ou au Caire. Le voyage, c'est hyper important. Un bon livre qu'on a en commun avec quelqu'un qu'on aime, un voyage, un bon plat, a-t-il expliqué. Et de conclure avec humour au sujet de l'homme de sa vie, bon, il est végétarien donc on est mal barré. À lire aussi on a failli crever tous les deux, Dave victime d'une intoxication au monoxyde de carbone avec son compagnon, il raconte.